teranga est un mot de la langue wolof qui signifie accueil chaleureux, hospitalité. Au Sénégal, il suffit de rencontrer quelqu'un n'importe où dans la rue, d'échanger deux, trois phrases et vous retrouver à partager le tièb du midi. C'est donc ce désir d'hospitalité que j'ai voulu transposer dans ce projet. Le jazz et la musique sénégalaise qui communiquent et échangent les codes harmoniques et rythmiques l'un de l'autre. Le projet Teranga m'est venu en vacances, en séjour, à Dakar, au Sénégal. Vous savez, Dakar est une très grande capitale africaine, très active musicalement. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de clubs de jazz, de boîtes de nuit live. La musique la plus écoutée est le mbala. C'est une musique très joyeuse, très chaloupée, qu'on entend dans chaque coin de rue. Taxi, commerce, transport, ou les sabars. Les percussions sabars sont très présentes. C'est donc une opportunité pour moi de partager cette musique, de redécouvrir cette musique, et de faire découvrir ces standards de la musique traditionnelle sénégalaise. Un concept jazz sénégalais où le jazz parle wolof en quelque sorte. Le choix des morceaux se fait assez naturellement autour des standards que j'aime. En expérimentant un peu, j'ai retrouvé quelques coïncidences, comme le morceau Giant Step de John Coltrane, où la structure rythmique de la mélodie colle parfaitement avec le mbala. La majeure partie des artistes qui sont intervenus sur l'album sont des Sénégalais. Je vais d'abord démarrer par Paté Diassi. Puis j'ai contacté Alioune Seck, qui est mon acolyte pour ce projet. Il a beaucoup apporté à la réalisation de ce projet. Et puis évidemment, Abdoulaye Lo, batteur de Youssoundour. J'ai invité Nuga Dieng, grand griot, qui est aussi membre fondateur de l'orchestre à Baobab. Puis
puis il y a eu Suleiman Faye, Fard Afridi et son acolyte Nomoudi, Adjouza, qui a d'ailleurs chanté sous le titre My Romance. Et on avait l'impression que cette mélodie avait été écrite pour elle. Dans ce projet Teranga, j'ai voulu vraiment présenter une musique joyeuse, positive, porteur de messages, d'échanges, d'ouverture. Je pense qu'on en a tous besoin. J'espère que vous danserez autant que nous en l'écoutant. Bonne écoute.